face à la recrudescence de la violence en milieu scolaire. Nous savons tous la victime la plus récente est bel et bien le professeur de mathématiques, le nommé Jomi Tchakonté Boris. Alors, disons tous non à la violence en milieu scolaire, non à la drogue, non à l'alcool, non à tous ces actes reprochables de la part de nos élèves, oui à l'éducation, oui au respect et à la protection des enseignants. Travaillons tous, unissons tous nos forces afin de faire revenir la discipline dans nos établissements. Merci. Bonjour. Le 14 janvier 2020, Monsieur Jomi Tchakonté Boris Crévin a été poignardé à mort par son élève au lycée de Colbison. Ce qui est un acte de trop à la violence en milieu scolaire. Donc, chers parents, élèves, amis, corps enseignants, chères autorités, il est temps de dire stop à ce phénomène, de dire non, de protéger nos enseignants, de protéger nos élèves aussi. Donc, moi, Coco, je m'engage à cette campagne pour dire non à la violence en milieu scolaire et j'adresse tous mes encouragements au corps enseignant tout entier. Et Botan. Oui, je salue la famille artiste Thierry Olemba de Human Beatbox Rapper. Oui, je viens m'adresser à toi qui vas à l'école. Toi, jeune, qui te lèves tous les matins et qui rentre tous les soirs. Sache que l'enseignant, c'est ton père, c'est ta mère. Respecte-les. Car c'est eux qui contribuent à ton devenir. C'est eux qui feront de toi ce que tu seras demain, ministre, docteur, médecin, président de la République. Ce sera grâce à eux. Si moi, artiste Thierry Olemba, aujourd'hui, je peux me placer devant toi et parler en français, et en bon français, c'est parce que j'ai accepté que l'enseignant, c'était mon père, que c'est mon père, que c'est ma mère. Toi, jeune, tu dois protéger ton enseignant, tu dois le protéger, tu dois le garder jalousement. Tu dois accepter et encaisser ce qu'il te donne, ne regarde pas son âge, sa taille, son poids, sa corpulence. Regarde et encaisse ce qu'il te donne. Va à l'école, dis oui à l'école. Moi, Thierry Olemba, je dis oui à l'école. Et je dis non à la violence faite aux enseignants. Je vous exhorte à aller à l'école, car le savoir, c'est bien. Thierry O. Je suis Renda, artiste musicienne camerounaise. Je décris ici la présence de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire. Car à cause de ces stupéfiants, nous assistons à une montée en puissance de la violence en milieu scolaire. Notre dernière victime en date au nom de M. Jomi Tchakonté Boris a perdu la vie il n'y a pas longtemps au lycée de Colbison à cause de son élève qui l'a poignardé. Il en est mort. Alors je dis non ici à la violence en milieu scolaire, je dis non à la drogue, je dis non à l'alcool, je dis oui à la politesse en milieu scolaire, je dis oui au respect envers l'enseignant. Respectons l'enseignant, l'enseignant mérite du respect. L'enseignant, c'est un deuxième parent pour toi, l'élève. L'enseignant, il est tout. L'enseignant, il mérite du respect. Alors, je dis non à la violence en milieu scolaire. Merci. Il y a une famille qui craille parce qu'elle a perdu un mouna. Il y a une famille qui craille parce qu'un de ses mouna gongas. C'est triste, mais c'est la résultance de la consommation des stupéfiants. Vous jonglez les tramoles, vous fumez le champ, vous tequez les ouais, ce qui vous fait avoir des comportements que vous ne maîtrisez pas. Quand on est jeune, c'est un gage de virilité, de force. Et cette force doit être utilisée à bon escient pour construire le pays et la nation. Une jeunesse de tueurs, non. Une jeunesse de criminels, non. Une jeunesse de voyous, non. Et s'il faut sa chance, ça doit passer par toi. Non à la violence scolaire, à la consommation de stupéfiants. Parce qu'on doit être jeune et fort. Jeunesse positive, Cameroun, les gars, arrêtez ça. Hey yo, je suis mathématique de petit pays, l'homme des trois continents. Face à la montée de la violence en milieu scolaire, dont la dernière est un professeur de mathématiques poignardé à mort par son élève au lycée classique de Colbison, je dis non à la drogue et à l'alcool en milieu scolaire. Non à la violence en milieu scolaire. Non aux agressions envers les enseignants. Oui à l'école. Respectons et protégeons les enseignants. Je suis l'homme des trois continents, mathématiques de petit pays. Je vous aime. Yeah. Salut, je suis Papy Simi-communicateur. À la suite de la montée en puissance de la violence en milieu scolaire,
un enseignant a perdu la vie. Monsieur Ndjomi Tchakounté avait été poignardé par son élève au lycée classique d'un Colbusson, une histoire triste et pathétique. La violence, chers élèves, c'est le royaume où seule l'anarchie domine. J'ai dit non à la drogue et à l'alcool en milieu scolaire, non aux agressions faites sur les enseignants parce qu'ils ne sont pas vos ennemis. Les enseignants sont des personnes qui nourrissent les esprits et réconfortent les cœurs. Ils sont là pour votre bien-être. Oui, à l'école, parce que c'est le chemin de la vie, la clé du succès. Respectons et protégeons nos enseignants. On se pose tant de questions aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nos enseignants dans les établissements? On ne les respecte plus, oh, oh, oh. Respectons nos enseignants, évitons la drogue et l'alcool en milieu scolaire. Mes chers amis, la drogue n'est pas bonne. Respectons nos enseignants, évitons la violence, ce n'est pas bon. Pourquoi ne pas respecter les amis, nos enseignants? Sans ces enseignants, mes frères, nous sommes quoi? Oh, c'est grâce à eux que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Respectons nos enseignants, mes frères. Pourquoi ne pas respecter les amis, nos enseignants? Sans ces enseignants, mes frères, nous sommes quoi? Oh, c'est grâce à eux que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Respectons nos enseignants, mes frères.